La vinaigrette rendrait la salade plus saine. La vinaigrette favoriserait l'assimilation de 7 micronutriments bénéfiques pour la santé, selon une nouvelle étude américaine. Celles qui privilégient les sauces allégées pour préserver leur santé risquent d'être déçues. Et pour cause, une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition révèle qu'ajouter de la vinaigrette à base d'huile sur sa salade est une bonne chose. Le gras favoriserait en effet l'assimilation de 7 micronutriments bénéfiques pour la santé, à savoir l'alpha-carotène, le bêta-carotène, la lutéine et le lycopène, la vitamine E, la vitamine K et la vitamine A. 2 cuillères à soupe, la quantité idéale. Pour le découvrir, les chercheurs de l'Université d'État de l'Iowa, États-Unis, ont demandé à 12 femmes volontaires de consommer des salades agrémentées de 5 vinaigrettes contenant différents niveaux d'huile de soja, un ingrédient que l'on retrouve souvent dans les sauces industrielles. Les participantes ont ensuite été soumises à un test sanguin afin de mesurer l'assimilation des micronutriments. Résultat, l'assimilation maximale avait lieu autour de 32 g d'huile de soja, soit la quantité la plus élevée étudiée au cours de ces recherches, correspondant à un peu plus de 2 cuillères à soupe. Un phénomène qui a un véritable impact sur la santé. Selon Wendy Witt, professeur agrégé de sciences alimentaires et de nutrition humaine et principal auteur de l'étude. Elle explique que l'assimilation de ces micronutriments permettrait entre autres de réduire les risques de cancer et de préserver la vue. Pas question pour autant de faire baigner ces légumes dans la sauce, 2 cuillères à soupe de vinaigrette par jour suffisent.